Acte 1, la rencontre d'un prince. Oh, mais qu'est-ce qu'il est beau, ce prince! En plus, il a l'air riche! C'est vrai que j'ai jamais vu un prince aussi beau de toute ma vie. T'es sûre de toi, là? Mais comme si t'avais besoin d'un prince dans ta vie. Mais bien sûr qu'elle a besoin d'un prince, tu veux qu'elle fasse sa vie comment sinon? Bah, elle sera indépendante, elle gagnera son propre salaire et elle aura les humeurs qu'elle voudra. Ok, c'est bon, stop là. Je vous rappelle que c'est de moi qu'on parle et je suis là. Acte 2, le professionnel. En entendant parler de salaire, la princesse Philippine songeait à sa carrière professionnelle. Parlons de salaire, le métier de président, vous pensez que ça paye bien? Parce que je suis sûre que je pourrais devenir présidente. Votez Philippine, votez. Mais ça va pas, une femme présidente. Enfin, il manquerait plus qu'elle devienne chirurgienne. Bah, ça paye bien, tu sauves des vies ou pas si tu les aimes pas. Mais tu prends pour qui, Dieu? Bah oui. Et bien sûr, et moi je suis la reine d'Angleterre. Bref, le sujet n'est pas là, reprenons s'il vous plaît. Mais il a raison, Charles-Henri. Non, mais sinon, je pourrais être juge. Ou alors, je pourrais être militaire. Ou encore, policière. Tiens, pendant que t'es dans les métiers dangereux, tu voudrais pas non plus devenir pilote de Formule 1. Puis, t'en as vu beaucoup des femmes faire ces métiers-là? Oui, regarde, Maria Teresa des Filippis, elle est bien pilote, mais je vais pas te nommer toutes les femmes qui font des métiers dangereux non plus. De toute façon, avec le plafond de verre qui existe dans le secteur professionnel, elle risque pas d'aller très loin. Donc elle ferait mieux de rester à la maison, faire le ménage et s'occuper d'enfants. Non. Acte 3. Sa progéniture et ses plaisirs. Peu de temps après, la princesse Philippine et le prince Marc se sont liés d'une très forte et douce amitié. Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Bla bla bla. C'est ce que vous auriez aimé entendre, pas vrai? Mais au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, les marraines de la princesse Philippine n'étaient pas vraiment sur la même longueur d'onde. C'est pas obligatoire non plus les enfants, Charles-Henri. Ça pue, ça pleure, c'est moche. Mais c'est beau de donner la vie. Nos enfants seront magnifiques, j'en suis sûre. Mais c'est pas parce que t'es une femme que t'es obligée de donner la vie. Hein. En plus, un enfant, c'est un engagement de minimum 18 ans. Ton corps, il sera plus jamais le même, tu seras grosse. Tout ça pour plaire à monsieur et s'il part pas. Mais quel rabat-joie. Mais de toute façon, tu crois vraiment qu'elle peut gérer un job, ses passions et un enfant en même temps? Bah oui, c'est possible. De toute façon, si elle avait des enfants, elle aurait plus de temps personnel. Hein. C'est pas en jonglant avec des couches qu'elle est épanouie. Hein. Oh, mais j'adorerais apprendre à jongler. Bah voilà, j'en suis sûre que t'as plein de passions comme la danse, la salsa. Pour s'exhiber en mini-jupe. Mais sinon, il y a le foot ou le vélo. Mais c'est des sports masculins, violents. Sinon, il y a la chasse. Ou si madame veut de la musique, il y a la guitare ou la batterie. Acte 4, le mariage. Plus tard, ce merveilleux couple, comme je le disais, ce merveilleux couple envisagea de passer à l'étape supérieure. Oh oui, le mariage! J'ai hâte qu'il me demande en mariage! Mais sinon, tu peux le demander en mariage. C'est possible, t'es sûre? Bah oui, mais de toute façon, ça te servira à quoi? Tu seras esclave dans ta propre maison. Mais voyons, il lui assurera une vie paisible grâce à son assurance, à ses finances et même à sa force s'il faut, enfin... Mais de quelle force tu parles? Vu ton âge, il te faudrait des lunettes, Mireille. À notre époque, des femmes, elles peuvent avoir un compte en banque, se défendre. Mais arrêtez de vous chamailler! Si je veux me marier avec lui, c'est parce que je l'aime. C'est certainement pas une question d'argent. Bah c'est quoi la dot alors? On s'en fiche, c'est mon âme sœur, je suis sa promise. Mais ça fait deux semaines que tu le connais.